Et salut tout le monde, c'est GG, on se retrouve sur la NeoBank TV pour une petite tuto rapide qui va durer à peu près 10 minutes pour vous expliquer comment tout simplement, c'est une forme de glitch en fait, c'est avec la faille du jeu, enfin une forme de tuto plutôt, sur le club pro à FIFA, sur le 2015. J'avais fait une vidéo à l'époque sur le 14, c'était pour prendre les fameux 5 points en mode carrière, évidemment c'est autre chose, là il s'agit bien d'un glitch qui vous permet de monter rapidement vos pros. Voilà, je regardais bien ce que je suis en train de faire dans le menu. Donc c'est pour pouvoir monter en club pro vos personnages rapidement, passer niveau 90. Ça va très 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 vite. Regardez bien ce que je suis en train de sélectionner. Comme vous avez pu voir, donc vous créez, vous mettez le nom de club au pif, vous mettez ce que vous voulez. Il faut bien créer en fait un club de départ en division 10. Ce que vous, il faut qu'en fait vous soyez 4, c'est le top vraiment pour réussir ce glitch là. Vous mettez le nom du club, tout simplement vous allez dans création du club, puis vous quittez votre club officiel. Sachez qu'avec le club que vous avez de base où vous jouez avec vos copains, cela ne fonctionnera pas, car à moins que vous ayez deux équipes en division 4 et vous pouvez le faire qu'en un seul match. Donc en gros il faut faire partie de la même division, clairement il n'y a pas de division d'écart, je sais pas quoi, on essaye d'autres techniques et tout, on a tout essayé donc ça marche pas. Donc là on crée le club Francis le Belge, dédicace à Francis. Là vous avez pu bien voir la chose la plus importante, c'est la région. Il faut mettre Australie, Nouvelle-Zélande. Vous mettez Australie, Nouvelle-Zélande, ça c'est le plus important, en fait, tout simplement pourquoi ça marche, car dans cette région là, il y a apparemment ils aiment pas le foot, ils aiment que les kangourous et la chasse aux crocodiles, donc c'est le seul moyen pour vous de vous retrouver avec vos copains. Donc voilà, vous voyez, je suis sur mon pro, dédicace à Zampa aussi, donc on peut voir, décidément, et tant qu'on est d'aider les Chinois, voilà, paix à leurs âmes. Vous voyez, on est en club pro niveau 10, donc là j'ai créé mon club de mon côté. Il y a Kempachi, un Betres Kempachi, Kempachi 13 Amouda qui va me rejoindre dans mon club à moi que je viens de créer à l'instant. De l'autre côté, il y a Ishu et Alex qui viennent de créer un club eux aussi. Alors l'étape à bien suivre, c'est-à-dire quand vous créez votre club tout neuf, niveau 10, il faut surtout division 10, vous créez deux clubs bien distincts au même moment avec vos coéquipiers. Ce que vous faites, une fois que vous avez créé deux clubs tout neuf, vous allez voir là, voilà. Vous allez voir dans le menu à Kempachi qui me rejoint. Vous créez, c'est-à-dire vous êtes 4. Il y en a un, il se met gardien, c'est celui qui va laisser faire les exploits aux autres. Et celui qui va faire les exploits, c'est celui qui se met machin. Tout, en tout, il faut mettre tout capitaine. Et vous allez comprendre. De l'autre côté, il faut qu'il y ait la même manipulation qui soit faite. Vous donnez un temps, c'est-à-dire vous comptez jusqu'à 3, 1, 2, 3, et bim, vous lancez en même temps pendant que de l'autre côté ça lance, c'est tout con. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver directement dans la même session, même pas en fraction, même pas en une seconde. Là je me suis trompé parce qu'il partait en coupe. Et tout simplement, voilà, vous mettez match de championnat. Et ce que vous faites, le mieux pour faire ce glitch là, comme j'ai dit, il faut être 4. Pourquoi 4? Vous faites un système de rôle. Et là par exemple, Kempachi s'est mis gardien. Donc si Kempachi, le fait qu'il s'est mis gardien, et l'autre gardien de l'autre côté, ça va être Alex. Eux, en fait, ils vont faire un roulement, c'est-à-dire lors du prochain match qu'on va enchaîner, c'est eux qui vont passer en TS, et c'est 45 minutes d'exploit pour l'un, 45 minutes d'exploit pour l'autre. Là, les exploits, ce que vous faites, par exemple, c'est le cycle où c'est moi et Ishu. Donc moi, pendant 45 minutes, la première mi-temps, je vais faire mes exploits pour les déverrouiller, et idem pour Ishu pour la seconde mi-temps. Donc grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est créer deux clubs neufs. Prendre Australie, Nouvelle-Zélande, c'est très très important, c'est le truc vraiment qui marche, n'essayez pas Amérique du Sud, machin et tout ça, ça paraît tout quoi, mais ça marche pas. Et dès que vous avez fini votre premier match de triche, entre guillemets, pour monter votre pro, c'est-à-dire là, que vous avez compris, c'est la session où moi et Ishu, on va monter nos pro, 45 minutes l'un, 45 minutes l'autre, là vous pouvez voir, c'est le bordel sur le terrain, vous faites ce que vous voulez, donc, parce que on fait ce qu'on veut, on est un match club contre club, donc c'est à votre guise de vous arranger avec vos coéquipiers. Pour faire, moi ce que je vous conseille de faire, c'est être 4 et faire 45 chacun, et puis les deux autres qui n'ont pas fait, c'est le match suivant qui le fait. Attention, une fois que vous avez créé les deux clubs, chose très importante, il faut pas garder les deux mêmes clubs pour continuer le glitch. Il faut que là par exemple on a créé deux clubs neufs, pour sur la session suivante Ishu recrée un autre club tout neuf en division 10. On refait la même chose, 1, 2, 3, on lance la partie, et là je regarde vite fait un exploit que je peux vous montrer rapidement déverrouiller. Vous allez voir, ça va marcher sur l'image.
Donc, une fois qu'on a fini le match, des déverrouillages, machin, des trucs, frappe de loin, tatachi, tout ce que vous voulez faire, une fois que vous avez fini ça, ce que vous faites, c'est très important. Ichu recrée le nouveau club, me rejoint, vous faites le même truc. Cette fois-ci, vous relancez encore. Et une fois que le deuxième match est fini, c'est à vous, vous faites un roulement en fait, pour à chaque fois, c'est à vous de créer un nouveau club. Et vice-versa. Et vice-versa. À chaque fois, il faut qu'il y en ait un des quatre joueurs de l'équipe adverse qui crée un nouveau club, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que c'est très simple et vous avez compris ce que je veux dire. Si vous avez des questions, je vous remettrai un petit mot en dessous de la vidéo, je vous répondrai en dessous comme d'habitude. Sachez qu'il y a une deuxième méthode aussi, parce qu'en mode carrière club pro, comme vous savez très bien, il y a des matchs, des exploits que vous devez réaliser quand vous êtes en club, c'est-à-dire vous êtes dans un club, vous avez créé, vous allez voir, voilà, je fais deux feintes, boum, et boum, voilà, vous avez eu agilité plus 1. Voilà, tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. C'est très très facile et vous allez très rapidement monter, que ce soit en buteur, émoussé, etc. En défense, je vous conseille de le faire, d'aller en match libre, et puis ça va vite. Et gardien, c'est pareil, il faut juste faire les matchs, faire 4 attaques à la con, et puis vous allez monter rapidement, c'est surtout pour le physique. À moins évidemment ceux qui veulent être défenseurs ou gardien de métier, ça les concerne. Sachez que voilà, comme je vous ai dit, en club pro, vous avez la méthode pour monter vos personnages en mode club, c'est-à-dire que vous devez faire partie des mêmes clubs pour que les exploits marchent, fonctionnent. Et vous avez évidemment des exploits qui se débloquent uniquement en match libre. Quand vous voyez réaliser dans sa carrière, en fait, ça ne veut pas dire dans la carrière club pro, justement, puisque ça vous sera stipulé réalisé dans sa carrière club pro. Ça veut dire, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est avec des amis, club contre club. Et des fois, vous allez voir réaliser un exploit dans sa carrière. Ça veut dire qu'en fait, c'est un match libre. Pour le match libre aussi, il y a une façon de boycotter les équipes. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer aussi. En gros, je vous donne deux solutions pour rapidement monter vos pros. Qu'est-ce que vous faites? Il faut vraiment, quand vous lancez un match libre, en même temps que vous lancez avec vos amis, c'est-à-dire il y en a par exemple 4, vous êtes 4, vous lancez tous les 4 en même temps le match libre, vous vous mettez rapidement, vous faites attention qu'il n'y a personne dans le groupe, c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Il y en a un, il se met capitaine de l'autre côté, et l'autre, il se met capitaine de l'autre côté. Ce que vous faites, c'est qu'il y en a un, il faut qu'il serve de gardien, en fait, dans l'équipe adverse, donc capitaine, gardien, et tous les autres joueurs, les mimosés, les buteurs, machin, si vous êtes 5, 3, 2, 4, c'est pareil, ça marche, ça va jusqu'à 5 maximum, ils se mettent de l'autre côté avec idem capitaine. En gros, quand vous allez arriver dans la partie, le gardien il va faire n'importe quoi en face, parce que c'est votre ami, ça va foutre les nerfs à plein de joueurs. Bon, évidemment, quand vous allez avoir ce tuto, il y a plein de joueurs qui vont le faire aussi, ça va être bon côté, tous les matchs FIFA, mais au moins ça vous permettra de monter vos pros pour pouvoir, ceux qui vont faire du club pro, e-sport, ou club pro pour le fun, peu importe, ça vous permettra de monter vos personnages rapidement. Donc, le gardien de l'autre côté, en tant que capitaine, il remplace tous les joueurs qui sont passés coupés, en gros, entre guillemets, c'est la merde, je sais, pour les autres. Et vous, du moment, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez, c'est la fête du slip, donc voilà, régalez-vous. Voilà, les deux méthodes, j'espère que vous avez bien compris, créer deux clubs tout neufs, à chaque fois, voilà, recréer un club, pas les deux en même temps, parce que ça sert à rien, il faut juste à chaque fois un qui crée un club, l'autre, puis celui qui a créé le club garde le club, l'autre recrée un club, etc. etc. C'est facile ce que j'ai expliqué, donc il y a un mec qui me dit, j'aime pas ta vidéo, ça veut dire, c'est vraiment pour me casser les couilles, je vous le dis, donc voilà, c'est simple, là, cette fois-ci, hein, je peux pas être plus simple que ça, à moins qu'il y ait un mongolien qui va venir à marquer noob, pas noob, je sais pas, il marque ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, c'est vraiment pour aider les gens, moi, pour que les gens ils puissent progresser leur club. C'est que les mecs qui n'ont pas le temps de jouer à 8 heures par FIFA par jour, mais voilà, c'est une méthode facile. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Et la deuxième méthode, c'est le match libre. Voilà, c'est GG Ryu MB13, dédicace à Ichu, Alex et Kempachi. A bientôt, ciao ciao.